La préparation avec le club, c'était un peu compliqué du fait qu'on ne savait pas si on allait rester en Ligue 2 ou au National. Donc, on attend encore des joueurs, encore 5-6 joueurs pour compléter l'effectif. Et voilà, on a hâte de voir dans quel niveau on est dans ce championnat. Et j'espère qu'on va faire des bonnes choses parce que ça s'annonce très compliqué cette saison. Une équipe qui monte, on peut garder la dynamique avec les victoires. Mais une équipe qui descend, c'est synonyme de beaucoup de défaites. On a perdu pas mal de matchs. C'est sûr que dans la tête, c'est pas facile. Mais du fait qu'on a changé l'effectif, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés. Ça peut être le point positif. Maintenant, c'est à nous de bien travailler pour que la mayonnaise prenne. On sait que c'est pas évident. Après, c'est toutes les équipes du national ont cette difficulté de faire un effectif. Et là, nous, je pense qu'on a fait un bon recrutement, en espérant les joueurs qui vont arriver aussi soient bien adaptés et qu'ils fassent des bons matchs avec nous aussi. On a fait trois matchs contre des équipes de Ligue 1. Donc on a fait trois matchs nuls et trois matchs très bons, très cohérents, avec des bonnes choses. Et puis on a fait un match contre Le Puy, une défaite. On a fait un très bon match dans le contenu, mais bon, on a perdu. Et après ce dernier match contre 7, où on a voulu faire le jeu, et là on s'est dit finalement, le national, les équipes qui joue plus bas, joue très fermé, et là nous, c'est à nous de bien garder le schéma tactique défensif comme il faut, parce que sinon on va se prendre des raclés à chaque week-end. Donc je pense qu'il faut changer la façon de jouer. Il faut pas qu'on démarre la saison en voulant montrer aux équipes qu'on sait jouer. Au contraire, je pense qu'il faut être très humble, comme beaucoup de personnes ont cité ici ce matin, et voilà, et mettre le pied quand il faut et aller au contact, parce que c'est un championnat très très costaud. Quand je suis arrivé en France, mon premier match c'était à Toulon, quand j'étais à Moulins. Je connais bien l'ambiance là-bas. J'ai joué contre Toulon quand j'étais à Bastia aussi en Coupe de France. Après, pour nous, ça va être un match difficile. On sait que, comme on disait tout à l'heure, une équipe qui monte peut garder la bonne dynamique. Nous, on doit encore avoir des repères. C'est sûr que c'est un match difficile, mais on doit être concentré. Et je pense qu'on a les armes pour. Même si je pense qu'on n'est pas prêt encore à 100%, mais il va falloir aller au combat, parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est, pour moi, c'est un bon match aussi pour s'y mettre d'entrée dans le championnat du national.